Mon producteur qui m'a dit « Maillot, il faut que tu deviennes bienveillant ». J'ai fait « Tu veux que je termine au chômage, c'est ça ? Tout le monde, il a le cœur sur la main, mais c'est pas le sien. J'ai envie de crever les pneus de leur trottinette. » Être positif, hein, l'éducation positive, je deny. On peut en parler là de ces parents sous perfusion Montessori qui laissent leur gamin hurler 3 heures dans le TGV. Toi, t'as les oreilles qui crachent du pute. Moi, depuis que je prends le train, je milite pour la vasectomie. Quoi, tout mec, quoi. Jamais je mettrai dans mon corps quelque chose dont je connais pas la composition exacte. Non, je pense qu'on devrait prendre exemple sur certains pays un petit peu plus progressifs en matière d'éducation. La Chine, ils ont inventé une méthode un petit peu incentive, l'infanticide. Quand au matin, au petit déjeuner, tu vois plus les chaussons de ta petite sœur, et bien le soir, tu fais tes devoirs. Les grands, c'est une création médiatique. La dénomination varie selon le point de chute. Par exemple, un Syrien qui débarque en France, c'est un migrant. Alors qu'un Qatari qui s'installe au PSG, c'est un investisseur. On les a dit, si j'aime bien, c'est la version crado du bobo. Ils nous ont gazés. Non, Daniel, c'est du déo.